Peggy 16. Recoucou, reprenons. Jack, je sais que c'est dingue, mais on doit y aller. Jack, ta proximité avec l'impulsion, ça... ça a dû modifier ta relation au champ de Cronon. Ce que j'ai fait là-bas. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu peux me la refaire en français? L'explosion a altéré le temps. Imagine que le temps est un œuf. Eh bien, cet œuf est cassé. On a bousillé l'œuf du temps. Hein? C'est quoi le rapport avec l'œuf? Une fracture s'est formée dans le temps. Elle se déchire, ce qui va entraîner la fin du temps. Et de la porte. Quoi? Fermée. Ils ont bloqué mon accès. Ah, ça m'a pas aidé, ça. Pousse-toi. Je vais l'ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir aussi. QG, on sécurise la salle des serveurs. Oui. Terminé. Ils arrivent. Planque-toi. Ouvre l'œil. Ils sont peut-être dans le coin. Ils arrivent. Par ici. J'avais prévenu Paul, pourtant, au sujet des calculs. J'ai essayé de t'expliquer aussi. En pointant une arme sur moi? Oui, une arme. Le symbole universel pour dire ferme-la et écoute-moi. C'est d'une logique imparable, Will, comme d'habitude. Tu... Non, quoi? Je sais pas. Attends! RAS de ce côté. C'est bon. On est sûr qu'il est pas retourné au labo? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de service. Tout ça est absurde. Raider 5 est en chemin. Qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions? Les renforts arrivent, ils vont le trouver. Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs. Mes erreurs? Est-ce que tu as la moindre... Je vais voir. J'y vois que dalle là-dedans. Je vais devoir me glisser derrière. Merde! Équipe Raider, la cible a été vue sortant de l'ascenseur de service. Tu l'as entendu, on y va. Oh, la chance qu'ils ont eue. Tu sais pas de quoi tu parles, Jack. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Tout ça nous dépasse. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ils essaient de nous tuer, Will. Ça a tout à voir avec nous. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je suis désolé. Je vois. Bon, on avance prudemment sans se faire opérer. J'espère qu'il n'y a pas de garde. Non, c'est bon pour l'instant. Plus ça va, plus cette fracture temporelle va s'aggraver. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment ? D'abord, on doit aller à ma voiture. Tu t'en sors mieux que moi avec la porte. Exact. Bouge pas. Bouge pas. Will, baisse-toi! Oh merde, c'est pétardé, fais à volonté! Ça, j'avais pas prévu ça. Waouh, en pleine tête. 3 balles sacrifiées, une qui a bien réussi à se positionner. Attends. Will, reste à terre. Où est-ce qu'il est, lui? Mais y'a pas de tir d'appui, bouge pas, rien, tiens. Non, attends, on va en faire une dans la tête, ça vous dit? Non, je l'ai encore loupé. Body ta gueule et fais-la vraiment dans la tête. Où est-ce qu'il est, lui? Il est juste là, il est juste là, il est juste là. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On est dans un sacré pétrin. Ah, j'ai des munitions illimitées. Ah, d'accord, j'avais peur en fait que j'en avais que pas beaucoup. Ah, monsieur, calmez-vous. Oh, je l'ai complètement traversé. Hein. Son gilet pare-balle en tout cas. Bon, ouverture de la porte, personne. Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Fabuleux. Je sais. C'était de la folie. Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Oh, ça va être joli, ça. Ok, donc je vois qu'on aura plusieurs options après. Ça d'accord. Craint. Ça craint vraiment. L'ascenseur.
L'ascenseur, l'ascenseur. Non, encore. Vérifie, Body. Encore un ou deux. Je m'en doutais qu'ils étaient deux. Donc si on a un sur le côté droit, il y en aura un sur le côté gauche. Regarde bien les hostilités qui arrivent. Attends. Sors, sors. Impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Nickel. Derrière toi, je t'avais dit. Neutralise le garde ici. Un peu plus. Vise le mieux. Vise le mieux. Nickel. Cible neutralisée. Secteur nettoyé. Secteur clair. Prendre l'ascenseur. Le temps fait encore des siennes. Ça m'étonne pas. On doit y aller. Négatif. Ils connaissent nos noms. Ils savaient qu'on serait là. Ils doivent chercher la machine. Bon, tu rentres, frangin, dans l'ascenseur. On peut pas aller à ta voiture. Monarque pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. C'est important. Pour réparer la fracture, j'ai besoin de... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essaie de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé, d'accord. Et tu dis pouvoir le réparer? En théorie. J'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure? Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Oh! Attention! Oui? Oh merde. Encore figé. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une interruption. Elle avait raison. Au sujet de la fracture. Et de tout le reste. Merci pour les armes, les gars. Eh ouais, t'es à poil. Voilà, tu peux toujours tirer si tu veux. Je peux pas les neutraliser un petit peu discrètement? Merci. Non, je ne peux pas. On peut juste partir. D'accord, je m'en souviendrai, donc ça c'est toutes les personnes. Mieux vaut ne pas être là quand l'interruption s'effondrera. Ah oui, attention, il y a monsieur qui est juste là. Par ici. Ah d'accord, j'ai pas besoin de les récupérer. Ah, c'est bon, la faille elle commence un petit peu à disparaître, faut qu'on se dépêche. Bon, toi, tu dois avoir une arme sur toi aussi. C'est bien, ça nous évite de les tuer. Merci. Toi, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais, fille? Je vais la libérer ici. Libère la body. Elle reste figée. Ça marche pour toi. Pourquoi ça marche pas sur les autres? Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition au chronon. Regardez. C'est une putain d'invasion. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Ils emmènent tous les témoins. Tous ceux qui les ont vus faire. Il y a énormément de gardes quand même. Il y en a vraiment beaucoup dans le secteur. Donc je me dépêche de vite les désarmer. T'as dit que t'étais préparé à ça. Tu savais que ça allait arriver. Comment? Bess Wilder. C'est compliqué. Je t'expliquerai ça dans la voiture. Là, cette porte. Donc l'amphithéâtre, je pense qu'on peut passer par là-haut. Négatif. L'interruption s'est effondrée. Pour le moment. Donc ça tombe bien, on en a désarmé pas mal. Ils surveillent le parking. Ok. Ok, Will, calme-toi, d'accord? Je vais arranger ça. Je vais me débarrasser d'eux. Je vais récupérer la voiture et la ramener ici. T'as compris, Will, hein? T'es sûr de pouvoir t'en sortir? Bien sûr, non. Will. T'es sûr de pouvoir réparer le temps? Non. Alors on est quitte. Donc faut pas que je me fasse repérer maintenant par les gardes. Tiens, t'auras besoin des clés. Merci, Will. Hé, hey, Jack. Sois prudent. Ouais, ok. T'inquiète.
T'inquiète, je vais surveiller mes fesses, mon poteau. Parce que ça risque de chauffer un petit peu. D'accord, vision temporaire. Putain de merde. Ouh là là, c'est la merde. Les pouvoirs grandissaient. J'ai commencé à voir des choses. Des prémonitions. Des échos du passé aussi. On vient de recevoir des ordres de numéro 1, Monarque. 3 gardes, 4 gardes. William Joyce, tant qu'on est là. On a le numéro de la plaque. Ça vient. Je parie que c'est une connerie du style boson. Direct. Ah merde, c'est vrai, il est casqué, je suis con moi aussi. Je devrais être en Thaïlande, bordel. Donc l'autre, il doit me contourner. Appelle pas les renforts. Combien? Ah, ça arrive sur moi. Deux hostilités en approche. Magnifique explosion. Suivante cible, elle doit être sur le côté là-bas. Je l'ai à bonne distance. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? C'est pas évident, on va dire, de savoir un petit peu où est-ce qu'il est. Il est là. Grave. Voilà. Il en reste plus. Bon. Négatif. Où est ta voiture, Will? Sa voiture, je crois, je l'ai un petit peu trop cabossé, non? C'est celle-là, non, qui fait du bruit? Ce que je voyais était un écho du passé. Will arrivant à l'université. J'espère que j'arrive pas trop tard. C'est... Oh. Je vois le passé. J'espère que j'arrive pas trop tard. Allez, prenons sa voiture. Donc, là, c'est la touche R. C'est là que j'ai compris. D'un geste, je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée. Lâchez-moi! Vous ignorez ce que vous faites! Will? Merde! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé Will. Je dois retourner le chercher. Vite! Préviens! Faites du mal! Oh là là, comment je suis parti d'un coup là? Attends. Donc, c'est... ça va être chaud là, attends. Ah, c'est comme ça que t'arrêtes le temps. Ok, attends. Par contre, il y a juste un défaut. C'est pendant que t'es avec les armes là, automatiques, tu mets du temps à les recharger. Donc je pense que je vais avoir un des sacrés problèmes avec mon postérieur dans pas longtemps. Cache-toi. Je sais pas s'il va se remettre tout seul de son état. Ou faudra que je me soigne. Attends, je bouge plus. Ils m'ont donné un peu trop chaud là en ce moment. C'est bon, donc en fait, ça se régénère tout seul. Ah, ils sont extrêmement nombreux les gardes, hein. Derrière moi, Body. Donc je suis sûr qu'il y en a encore un autre qui va me contourner, comme d'habitude. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Ah d'accord, il est juste là. Débarrassez-vous des ennemis dans le parking. Bien évidemment, c'est ce que je fais, t'inquiète pas. Il reste le dernier ici. Tu crois ça? Oups, Body a des problèmes, il a plus d'armes. Allez, prends ton arme illimitée là. Combien de gardes? Le dernier. Ah, il est bien casqué. Donc c'est pas le dernier celui-là. Il en reste encore un quelque part que j'ai pas dû faire attention. Où est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? C'est quoi tous ces trucs là? C'est des failles? Non, ça s'appelle des armes. Ah, c'est toi que j'avais pas vu. Maintenant, je t'ai vu. Changement de plan. Tant pis pour la caisse. Je dois retrouver Will. Bien sûr. Il a des ennuis. Vous êtes Jack Joyce? Où il est? Où est mon frère? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. Pourquoi vous m'aidez? Vous êtes avec eux. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps, mais faites vite.
c'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. Ça doit être ma nana, hein, là. Ça doit être un petit peu ma copine, celle-là, je pense. Ça doit être une personne qui me connaît très très bien. Et qui tient à moi, en fait. Donc, c'est un peu con de s'arrêter là, franchement. La poursuite dans la bibliothèque. On continue, on va faire deux chapitres. Will ? Donc, la poursuite de la, dans la bibliothèque. Ouf. Il est là-haut. Pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Oh, le pouvoir de dingue qui est là. Ouais, je voulais juste tester la possibilité en fait de pouvoir se prendre une grenade. Est-ce qu'il avait la possibilité de l'esquiver? Eh oui, il a la possibilité de mourir avec la grenade. D'accord, d'accord, d'accord. Je m'en souviendrai de cette petite farce. Les chargements sont quand même assez costauds, faut pas mourir dans ce jeu-là. Mon dieu. Active la faille! Shot, 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 shot! Shot! Jette pas ta grenade, je veux plus voir ta grenade. Eh, ça se casse ça! Ah, trop fort! Oh non, 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 je suis pas fan moi de ça. Bon, il est tout seul ou pas? Viens. Ça t'apprendra. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, c'est la femme de ménage qui fait du bruit. Oh merde les gars, vous étiez obligés de venir comme ça en communauté? Ouais ouais, tir de suppression. Tu permets un peu que je me cache? Nickel. Bon, j'étais en train de m'amuser un petit peu avec les statues. Ah c'est bien fait en fait hein. Regardez le côté maintenant comment les jeux deviennent de plus en plus intéressants. Je suis sûr que je peux encore tirer. Non, négatif. Bon, abuse pas non plus. Hein. Va pas trop loin dans tes délires. Donc là j'ai une faille machin. Donc nous, notre chemin il est en face. T'arrêtes pas Jack. Ouais t'arrêtes pas, vas-y Jack, enfonce. On se pose pas de questions, on y va. Jack, que se passe-t-il là? Quoi? Hein? Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. C'était pas la seule. C'est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était censé agir discrètement. On a ce qu'on voulait. Ouais. Et les médias vont pas nous rater après ça. Hey, what? Ça. T'as entendu le patron? On applique le plan B. On finit ce qu'on a commencé et on se regroupe au cale sèche. C'est pas compliqué. Ça te pose un problème? Non. Ouais, ils sont extrêmement nombreux. T'es fou quoi? Il y en a des cibles à neutraliser. Je voulais voir si je pouvais les avoir en furtivité. Mon cul, tu peux pas les avoir en furtivité. Et en plus, t'as des gros ennuis en faisant ce que je viens de faire. Non, 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 non. Ah, il m'a fait mal. Je disais qu'en fait, on peut pas les avoir furtivement. Je pensais que oui, il y a une esquive en fait à faire que je maîtrise pas encore parce que le jeu, je viens de le découvrir. Attends, ça fait que 20 minutes qu'on joue, plutôt 30 maintenant. Non, plutôt 40. On ferme ta gueule, body. Oui, c'est 40 minutes et on n'a pas encore trouvé tous les bons trucs. Mais ça viendra. Et confiance un petit peu en moi quand même, non? Allez, sois pas si méchant que ça. Donc, les chargements, c'est vraiment intéressant. Pour parler plus sérieusement, il faudra qu'on neutralise très rapidement les gardes. Pourquoi pour l'instant, je n'utilise que le pistolet? Parce que les fusils d'assaut, en fait, à chaque fois, je suis en panne. Bon, non, mais ça, sincèrement, c'est quoi ces chargements? Après, je les découperai en fonction des prochains périples. Rien. Tout ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était... Ouvrez les feux!
Merde, il canarde bien. Ouais, d'accord, servez-vous aussi un cocktail machin, me fait maison. Ils sont extrêmement nombreux, Body, fais gaffe. Putain, je peux pas me cacher, moi? Non, mais attends, y'a un problème, je peux pas me cacher. C'est pas grave. À moins d'être plus réactif que jamais. Ouais, affirmatif, c'est bon. Donc où est-ce qu'ils sont? Ça va, si j'ai que des cibles ici, ça passe. C'est bon, cible prochaine neutralisée. Maudit, montre-nous que tu sais jouer quand même à des jeux FPS. Oui, t'inquiète pas. Eh, d'accord, je pensais pas qu'il pouvait courir aussi vite. Ah, il est pas évident lui, hein. S'il court comme ça, moi je suis mal barré. Je suis sûr qu'il y en a encore un autre qui a couru. Non, il y en a deux en bas. Ça, jusque là, je m'en fous. Changeons d'arme. Prenons une arme qui va vous faire plaisir maintenant. Comme ça, c'est le changement de côté. Ouais, l'élimination est beaucoup plus rapide avec les armes dites fusil d'assaut que des armes de poing. Ouais, pas complètement non plus. Montez, montez. Donc il y en a deux gardes à neutraliser. Deux plus combien? Plus deux ici. D'accord, d'accord. Body, réactivité. Un dans l'escalier, neutralise-le. Oh, le farceur, celui-là. Ah, c'est pas évident de viser. Attends, 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 je recharge. Et tu permets? Et j'espère que t'as pas un fusil à pompe, hein. Ouais, tir de suppression. Ok, ils arrivent tous. Eh, hey, mais ils arrivent vite, en fait, hein. C'est le dernier, lui. Voilà, c'est bon. On a nettoyé la cafétéria. Eh ben, ça blague pas comme jeu, hein. Faut être assez rapide, quand même, hein. Redonne-moi tous les balles. Merci. Oh, le corps complètement, on l'a pris. Je dois aller à la bibliothèque. Bon, sortez. On sort par où, ici? Là-bas, en face. Ce qui est bien, c'est qu'on a un indice, en fait, qui est plutôt une aide... L'indice qui nous permet tout simplement de savoir où on va. On perd pas de temps comme ça. C'est une bibliothèque. J'ai des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. Dans vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Allez, on va chercher Will. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ouais. Par où je passerais si j'étais ici? Par où, par où? Je contournerai le système, la porte. Je montrerai quelque... Voilà. D'où ça venait, ça? Tu vois, je passerai par là. Maintenant, où est-ce que je dois me faufiler? Par le mont de charge. Par là, on peut passer ou pas? Ouais, on peut. Je dois pouvoir monter par là. C'est ce que je viens de faire, enfoiré. Mais j'ai pas que ça à faire. Ouais, moi non plus. Devoir monter pendant des heures et des heures, ça va vite me déplaire. Je dois trouver un moyen de le ralentir. La faille. La faille, Body. La faille, je t'ai déjà dit. Dès que je vais être là-haut, je vais le ralentir. Dès que je vais être là-haut, comment tu ralentis cette connerie? Oh, le gogol! C'est pas comme ça que tu ralentis un mont de charge. Ah, voilà. Ouais, aïe, aïe, comment ça c'est... Je pourrais pas reproduire la touche que j'ai fait, je me souviens plus. Bah quoi, c'est vrai, hein. À part celle de l'arme, mais après le reste, je m'en souviens plus vraiment. En ce moment, j'ai une mémoire assez courte. Ici transport aérien 1, on a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Hé, les mains en l'air que je les vois. C'est ma femme, ça. Obligé. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, on a de la chance quand même, hein, de se faire aider. Bon, ici, y a rien. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Il en est. Je me demande où est son frère. Gardez quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 monarque. Le reste des forces doit se rendre... Ennemis retirés!
Merde. Non, non, je vais avoir des hostilités. Maintenant ? Ouais, dans 5 minutes, t'as bien entendu. Ah, j'ai un pistolet plus lourd maintenant. Alors, Bodhi, dépêche-toi, t'as que 5 minutes. Où est-ce que tu dois passer ? Moi, je serai toi, je me dépêcherai d'aller vite à l'objectif. T'as pas tort, t'as pas tort. C'est bon, on est sur zone. Ouaïe, aïe, 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 aïe. Dans quel... Sacré merdier. Oh là là, il y en a énormément. Oh là là, comment ils se lèvent. Ah, le recul est immense. Attends. Ah, ils sont trop bien, machin. Non. Bodhi, il a pas compris que c'est un jeu. Voilà. Il faut un peu nettoyer un petit peu chaque personne que tu trouveras. Bon, les prochains, ils sont où, là? Il y a que moi qui va faire le jeu entièrement au pistolet, au machin. Et la mitraillette, c'est fait pour quoi? C'est pour décorer? Donc toi, t'es là-bas, au fond. C'est super sensible, cette connerie. Bon, lui, il va me contourner, il va me creuser du tort. Ouais, bah, t'inquiète pas que tu vas vite couler. Attends, je recharge, tricheur. Oh non. Il me fait transpirer. Qu'est-ce que ça me fait transpirer? Il y a une boucle, je sais pas quoi, temporaire, là. C'est quoi, ça? Ça s'appelle des munitions, espèce de clown. Ah là là, et par contre, je vous assure, l'arme, c'est pas que j'ai pas visé, c'est qu'elle est super puissante, et du coup, il y a un énorme recul sur cette arme. Tu vas bien ? Très bien. Ouais, tu vas bien. Bon, je vais récupérer mon frangin. J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par me détacher. Ouais. On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Quoi? Non, Jack. J'ai besoin de la... Ah, je vais attendre. Ça, c'est un mec plus costaud, ça. Ma mallette était dans la voiture. Je t'en rachèterai une. C'est qu'une mallette, merde. Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture. Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt? Désolé. En train de me faire kidnapper. Ouais, bah je peux encore te laisser ici, hein. Mais comment t'as fait pour faire envie? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer. T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non. Alors dépêche-toi d'en trouver une. Je crois qu'il est sur le côté gauche. Voilà, je m'en doutais qu'il était déjà passé là, lui. Nettoie le body, celui-là. Mon cul, ouais. Je crois qu'ils veulent pas de témoins. Oh, il fait mal, lui, attends. Ah, c'est vraiment pas évident comme truc, hein. Tu viens m'aider ? Non. On doit récupérer ma mallette. Ensuite, il faudra trouver Bess Wilder. Pourquoi? C'est qui? Elle sait des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Il y a au moins une personne à qui tu faisais confiance? C'est pas aussi simple que ça, Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger? Regarde autour de toi, Will. Tu te sens protégé, là? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça. Rien du tout. Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps? C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette.
Je te suis, Will. Faut qu'on bouge avant qu'il en arrive d'autres. Exact. Sortons d'ici. Jack! Paul? Jack, faut y aller. Attends. Désolé, Jack. Non! Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis, tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est en jeu, c'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer d'avis. Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer. Le passé, le futur, j'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans, c'était toi, la première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On doit agir. J'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non. Attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Non ! Tu n'iras nulle part. Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper.